L'humanité peut disparaître. Euh, ça ne serait pas la première fois. Le vivant a quasiment disparu plusieurs fois. Je crois que c'est six fois dans l'histoire de, de, du, du vivant. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Et puis, il peut y avoir ce qu'on appelle une émergence. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Et c'est ça que moi, j'essaye de transmettre. C'est qu'il peut y avoir une émergence. C'est que le système euh, émerge vers un nouvel équilibre. On croit que ça n'a plus de sens, en fait, ça a plein de sens qui nous arrive individuellement et collectivement. Euh, moi, j'ai décidé de montrer que le chaos, c'est pas le bordel, que le chaos c'est un ordre qui émerge et, et j'ai décidé de montrer qu'on pouvait être acteur et qu'il n'y a jamais eu autant de raisons d'être acteur dans ce monde chaotique parce qu'on n'a jamais eu autant de pouvoir individuellement. J'essaie de, de montrer une forme de transition, une, ton, une forme de transition de ce monde chaotique, vers un monde plus harmonieux. L'émergence qu'on peut créer individuellement ou ensemble, c'est je l'espère pour un monde plus harmonieux, très précisément. Je vais vous montrer que vous n'allez pas vous effondrer, qu'on va pas s'effondrer euh, et je vais vous le prouver et je vais vous donner les outils pour montrer que c'est possible. C'est euh, d'un côté euh, d'essayer de comprendre euh, le monde, d'essayer de partager avec les autres euh, ce que j'ai compris, et puis euh, l'autre partie, c'est d'essayer que bah, tout ça ça soit euh, incarné, quoi, que ça ne reste pas que, euh, euh, que des mots. Donc moi j'essaie de le faire euh, modestement euh, dans, ma vie, dans ma vie quotidienne, et puis aussi dans mes travaux de réflexion, j'essaie que ça ne soit pas que de la réflexion, que ce ne soit pas que écrire des livres par exemple, mais que ça puisse donner des outils. Je montre pourquoi et comment euh, le, le, le monde est devenu chaotique. Après, ben, je me suis dit, si le monde est devenu chaotique, peut-être qu'on peut, qu peut s'inspirer euh, des choses les plus récentes euh, dans, dans l'approche scientifique, c'est-à-dire les théories du chaos, et de voir s'il n'y a pas des trucs dont on pourrait se servir, mais se servir dans la vie quotidienne, quoi, pas des trucs qui restent trop, euh, trop nébuleux. Et donc je me suis inspiré des théories du chaos pour, euh, pour faire deux outils, trois outils très très simples. Et puis après, bah, j'ai essayé de montrer comment on peut appliquer ça. Comment on peut appliquer ça dans sa vie personnelle, sa vie familiale, dans, dans nos organisations, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations. Comment on peut, servir de, on peut se servir de tout ça Les outils, c'est euh, comprendre pourquoi et comment le monde est devenu chaotique. On est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus connectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut se passer? Ça veut dire que c'est un monde qui est à la fois de plus en plus sensible à des petits événements, l'effet papillon. Chacun d'entre nous, n'a jamais eu autant de pouvoir. Comprendre que le monde est devenu ce que j'appelle fractal. Il faut aller vite, vite, vite regarder qu'est-ce que c'est qu'une image fractale. Parce qu'un enfant de 8 ans, il a vu une image fractale, il en voit partout. Si vous en voyez 3 ou quatre, vous en verrez partout et vous serez capable de voir le monde comme il est. Et le troisième outil, c'est comprendre que le monde peut s'écrouler. Il peut y avoir effondrement, on peut s'effondrer individuellement, on peut s'effondrer collectivement, et il peut y avoir une, ou plus exactement, des incroyables émergences. Il est devenu chaotique le monde parce qu'on euh, est beaucoup plus qu'avant, et on est beaucoup plus connecté. Il y a 150 ans, on était un milliard à peu près sur Terre. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Et ça, ça change tout. On pourrait dire que nos parents ou nos grands-parents vivaient dans un monde vide et nous, on vit dans un monde plein. On est beaucoup plus nombreux. En 30 ans, c'est-à-dire une demi-génération ou un tiers de génération de, de, de vie humaine, la population humaine a doublé. Et ça, ça s'est jamais vu dans l'histoire de, de l'humanité. Et, et on va voir que ça change tout. On est de plus en plus nombreux. La deuxième chose, c'est qu'on est de plus en plus connectés. On est connectés d'abord physiquement. Euh, on dit que la moitié de la population mondiale vit en ville. Je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, on vit de plus en plus les uns à côté des autres. Moi, j'ai dans ma petite maison en Ardèche, le premier voisin, il a 2 km. C'est quand même pas pareil que quand je suis à Paris et que j'ai des voisins tout autour de moi. On rencontre les gens, on se bouscule, on les rencontre tout le temps. On les rencontre en vrai, on les rencontre en vrai dans les villes, on voyage de plus en plus, on n'a jamais autant voyagé. Au moment où on parle, là, il y a un million de gens qui sont dans des avions. À chaque instant où on parle, il y a un million de gens qui sont dans des avions qui vont rencontrer l'autre. L'autre à l'autre bout du pays, l'autre à l'autre bout du monde. Et puis, bien évidemment, c'est une évidence, on est de plus en plus connectés de manière virtuelle. 2014 va quand même être une année assez exceptionnelle, puisque c'est l'année qui va voir plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Et ça, ça ne s'est jamais vu. Il va y avoir plus de 7 milliards, je ne sais pas, c'est peut-être déjà, déjà dépassé maintenant, au moment où on parle, plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. On est de plus en plus nombreux et on est de plus en plus connectés. Et ça, c'est les conditions pour faire un monde qui peut devenir chaotique. Et je pense que le monde il est devenu chaotique et on le voit avec plein de choses euh, qui font qu'on trouve que ça va de mieux en mieux et ça va de plus en plus mal en même temps. Et j'ai envie de rajouter ça va de plus en mieux, de plus en plus mal et de plus en plus vite. Ça c'est la première chose que je à vous transmettre. Il y a un autre truc qu'on apprend euh, dans les théories euh, du chaos, euh, c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales, ce que tout le monde presque connaît sous le nom d'effet de papillon. Pourquoi Parce que quand le système est devenu hors de contrôle, là, comme le thermostat fou qui chauffe de plus en plus quand il fait trop chaud, tout devient très sensible. C'est-à-dire que la moindre petite cause peut avoir un énorme effet. D'où ce qu'on appelle effet papillon. Euh, si un papillon bat de l'aile en France, euh, il peut déclencher une tempête à, à, à l'autre bout du monde, en Amazonie euh, ou à New York. Scientifiquement, je peux démontrer que parce que le système est devenu chaotique, nous n'avons jamais individuellement eu autant de pouvoir. Quand le système est à l'équilibre ou proche de l'équilibre, quand il oscille, pour faire changer les choses, pour changer le monde, si on a envie de changer le monde, faut être très puissant. Et très puissant, ça veut dire quoi bah Selon les époques, ça veut dire être beaucoup, ça veut dire être très riche, ça veut dire être la force, avoir la force physique aujourd'hui, la force financière et plutôt, je devrais dire hier, la force financière. Dans un monde chaotique avec l'effet papillon. Chacun d'entre nous n'a jamais eu autant de pouvoir. Les futurs souhaitables, ils sont là. C'est d'être capable d'aider tous les petits papillons qui sont en train d'émerger partout c'est ce que je vois dans le monde. Je vois plein d'actions. Il suffit d'aller euh, euh, sur le site dont passe à l'acte. Pour moi, je vois tous ces petits papillons. Voilà. Pour moi, c'est des petits papillons. Euh, ce sont des émergences. Et je ne crois pas forcément à une énorme émergence. cest que c'est toutes ces petites émergences qui vont créer une nouvelle manière de, de vivre ensemble. Mais je ne pense pas qu'on va décider une nou nouvelle manière de vivre ensemble et qu'elle va découler. Ça, c'est l'ancien monde. Ça, c'est l'ancien monde. Ça marche plus comme ça dans un monde qui est devenu euh, chaotique. Dans un monde qui est devenu chaotique, c'est voilà tous les petits papillons qui vont créer euh, plein de petits futurs souhaitables, qui vont créer leur propre émergence et ça, ça va créer des, même pas une, des émergences, des manières de vivre ensemble. Que je peux apporter, euh, c'est aux gens qui soient son témoins euh, d'effondrement ou soit qui se sentent un petit peu euh, effondrés. Et tous, il y a des moments, on a des petits moments euh, d'effondrement. Et là, non, là, 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 ouais, là, j'ai envie de leur dire, non, 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 il peut y avoir effondrement ou il peut y avoir émergence. D'ailleurs, dans, dans nos vies personnelles, on passe par ces phases-là. On a des phases d'équilibre. Tout va bien, on a des jours meilleurs que d'autres, il y a des bonnes nouvelles, il y a des jours moins bons que d'autres, il y a des mauvaises nouvelles, on est malade, on est en forme aujourd'hui. On est à l'équilibre où ça oscille. Bonjour, mauvais jour, pas trop loin de l'équilibre. Et puis on, on peut vivre dans la vie des phases beaucoup plus chaotiques, euh, des crises, euh, des crises majeures, euh, des crises personnelles, on peut perdre son emploi, on peut perdre un être cher, euh, on peut perdre euh, euh, du, du, des choses auxquelles on était attaché euh, matériellement. Et bien là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on revoit comme dans les théories du chaos, on peut s'effondrer, on peut s'effondrer, et, et beaucoup de gens s'effondrent après de graves crises comme ça, il y a des gens qui ne se remettent pas de grands chocs, que, de gros chocs émotionnels, ou on peut émerger, et, et, et pas, on, on le dit toujours, une crise ça nous rend plus fort ou ça nous tue, et ça revient exactement au même, et donc ce que j'essaie de transmettre, voilà, ok, là il y a une crise, il y a une crise, mais, mais il y a aussi euh, impossible, on va, en, tu peux traverser cette crise, tu peux t'effondrer. Mais tu peux aussi être acteur de ton propre changement, de la même manière qu'on peut être acteur du changement de la société. On peut être un petit papillon, on peut être son propre acteur du changement. Donc ce que je dis aux gens, c'est, voilà, soyez acteur du changement. C'est ce que je me dis moi tous les jours quand j'y crois plus, que je suis pas de bonne humeur, ou que je me dis on va pas y arriver. Hein. Un autre exemple qui est, qui est, qui est super simple, euh, c'est quand on se pose les questions est-ce qu'il faudrait faire ça ou ça euh, Est-ce qu'il faudrait parler aux politiques ou parler aux gens à la base Est-ce qu'il faudrait... Moi, je réponds il y a un truc très très simple que nous apprennent les théories du chaos et la plupart des grandes philosophies ou, ou spiritualités depuis quelques milliers d'années, c'est il faut abandonner le "ou", il faut se mettre dans le "et". Euh, et ça, on n'a pas appris ça. Pourquoi Parce que dans, dans, dans un monde euh, linéaire, que j'appelle linéaire, linéaire cest à proche du contrôle, ben, il fait chaud ou il fait froid. S'il fait froid, on met le chauffage, s'il fait chaud, on arrête le chauffage. Et ben nous, il faut apprendre à, à vivre dans des mondes où il fait chaud et froid. Euh, et être capable de s'adapter de s'adapter aux deux. Donc moi, je gens, et combien de fois, des fois, je vais dans des réunions, oui, il faudrait faire ça, non, non, il faudrait faire ça. Mais je dis, mais faites les deux Faites les deux, on verra bien euh, qu'est-ce qui marche. Il y a un truc très très simple dans sa vie euh, personnelle, dans sa vie professionnelle. Quand on se pose la question, est-ce qu'il faudrait faire ça Est-ce qu'il faudrait euh, faire ça Eh ben, et si on voit si on peut pas faire les deux. Bien sûr qu'il y a des cas où c'est pas compatible, mais c'est pas la majorité. Il y a plein de cas où on peut faire les deux. Eh ben, faisons les deux. Essayons les deux. Je pense qu'on est aussi en train de voir une époque euh, basculer, euh, même du point de vue des spiritualités. C'est la première fois euh, que toutes ces spiritualités communiquent entre elles. Avant, ok, il y avait quelques jésuites qui allaient découvrir ce que c'était que le taoïsme. Enfin, ils étaient combien, quoi euh, Il y avait quelques explorateurs. Aujourd'hui, tout le monde a accès à toutes les formes de spiritualité. Ça, c'est jamais vu. C'est un truc incroyable. Et là, de nouveau, bah, soit on se perd. On n'y comprend plus rien. C'est le bordel, c'est le chaos. Ou soit peut-être là aussi, on va voir émerger. Euh, moi, je vois émerger de nouvelles formes de spiritualité qui n'existaient pas avant euh, et qui sont pas des mélanges, qui sont des nouvelles choses. Et ça, je pense que ça aussi, c'est fascinant. Ça aussi, c'est fascinant. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, je trouve que euh, le, le côté comprendre. Je ne sais pas, c'est un truc qui est presque très gamin euh, encore en moi. Euh, c'est le côté quand on a compris comment le jouer, il marchait, euh, qu'on a compris que, okay, il n'y a pas de Père Noël, c'est dur, mais qu'après on comprend. Ah ouais, d'accord, ça y est, j'ai compris maintenant comment, comment ça marche. Donc il y a une sorte d'excitation euh, qui est à la fois scientifique et poétique de, de savoir comment ça marche. Le côté comment ça marche. Et puis il y a une autre excitation euh, qui manque peut-être totalement d'humilité, mais, mais c'est de croire que ce que j'ai compris, euh, je peux le transmettre aux autres. Et je trouve qu'il y a une excitation totale qui, qui est en général différée, c'est-à-dire quand je dis des choses à des gens, euh, à des amis, à des gens que je rencontre, et puis que, je ne sais pas, six mois, un an après, ils viennent me voir et me disent, ouais, tu sais Bruno, ce que tu nous as dit l'autre fois, ça nous a fait réfléchir, et on a fait ça. Et on a fait ça. J'ai fait ça avec mes enfants. J'ai fait ça dans ma famille. J'ai fait ça au boulot. Et ça, euh, voilà, c'est deux trucs. À la fois, le, euh, cette espèce de jouissance d'avoir compris, de se dire ah ouais, j'ai compris comment ça marche. Enfin, en tout cas, je crois que j'ai compris. Et puis l'autre jouissance, de dire ah, ça a servi à quelque chose. Voilà, voilà ce qui me, ce qui m'inspire, ce qui me motive et ce qui me fait lever le matin. Mon truc c'est euh, ça fait 20 ans, 25 ans euh, que je voyage, j'ai fait mon premier tour du monde avec mon sac euh, il y a 25 ans. Je fais un tour du monde à peu près euh, une fois par an euh, depuis et j'essaye de voir comment euh, comment va la planète. D'un certain point de vue, je trouve qu'elle va pas de mieux en mieux, elle va plutôt de de, de plus en plus mal et moi ouais, je suis ingénieur de formation plutôt scientifique et j'avais l'impression que de plus en plus c'était le bordel. Euh, et que de plus en plus je comprenais pas, que pour moi les choses n'avaient pas de sens. Je voyais des choses aller de, de, de plus en plus mal et puis aussi je voyais des choses parfois euh, aller de mieux en mieux et donc les choses n'avaient pas de sens. Je n'arrive pas à savoir si les choses s'amélioraient, si les choses s'empiraient. Et puis euh, à force, euh, un jour j'ai compris que tout ça pouvait avoir du sens. La plus grande résistance j'ai rencontré chez moi et chez les autres c'est l'ignorance l'ignorance les freins personnels des fois c'est le doute euh, de se dire euh, finalement je suis là avec mes histoires de chaos et tout tout ça euh, est ce que ça a du sens hein et, et, et je trouve ce qui est intéressant dans, dans l'évolution des sciences c'est qu'il euh, y a quelques dizaines d'années on est arrivé là aussi pour la première fois euh, dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire du savoir à se dire ce que je crois être sûr aujourd'hui, si tout va bien, demain on me dira que c'est pas vrai. Ou plus exactement, c'est pas exactement vrai. Dans l'histoire des sciences, à chaque grande découverte, bah ça y est, on a compris quoi. Tout le reste, c'était pas bon, et maintenant c'est bon. Et c'est bon pour des siècles et des siècles. Ça ne va pas changer. Alors qu'aujourd'hui, euh, moi, je suis convaincu que ce que je crois avoir compris, ça apporte une pierre, je l'espère, à l'édifice de la connaissance. Et je suis aussi convaincu que si tout va bien... Et eh bien, le plus tôt possible, il y a quelqu'un qui dira Ouais, c'était sympa ce qu'il a raconté Bruno, mais il y a vachement mieux euh, maintenant. Donc, mon doute, c'est de se dire Voilà, est-ce que, euh, est que je me vieux -conise pas du verbe se vieux -coniser, euh, trop vite quoi. Est-ce que je continue à apprendre, à découvrir Est-ce que ma pensée s'est pas arrêtée Mon autre doute, c'est quand on croit avoir compris comme ça des, des sortes de grilles de lecture, le monde est chaotique, un des grands dangers de ça, c'est de vouloir l'appliquer partout. Euh, parce qu'on on est excité par le pouvoir de, de ce qu'on vient de comprendre, par le pouvoir de ces nouvelles clés euh, de compréhension, et on a envie de les appliquer partout. Donc il faut en permanence garder une sorte d'humilité et de se dire non, non, tout n'est pas chaotique, il y a des tas de choses qui ne sont pas chaotiques dans le monde aujourd'hui. Pour remplir la baignoire, c'est très bien la mécanique euh, classique. Donc, voilà, ça c'est un autre frein, c'est trop d'enthousiasme. Et puis après, il y a le frein dans, dans, dans la transmission. C'est euh, très dur de, de changer soi-même et donc à fortiori, de, de vouloir faire changer les autres, c'est une sorte d'ambition vaine. Euh, voilà, c'est moi je crois qu'on peut, faut essayer de trouver les mots euh, et puis bah le, les limites, c'est que des fois je les trouve pas, je les trouve pas pour essayer de convaincre euh, les gens de, de ce que je crois avoir compris. Ça fait partie, euh, ça fait partie du truc. Et puis un autre frein que je rencontre, c'est euh, qui est propre pour moi à, à justement ce qu'on est en train de vivre, c'est l'effondrement. Euh, je l'ai dit, il peut y avoir émergence euh, d'un nouvel ordre, euh, beaucoup plus complexe, ou il peut y avoir effondrement. Et moi, je rencontre beaucoup de gens effondrés. cest que ce n'est pas que la société qui peut s'effondrer. J'observe beaucoup de gens euh, effondrés. Euh, parce que les... Beaucoup, pour beaucoup de personnes, euh, les choses n'ont plus de sens. Euh, je vois des gens qui font des burn-out parce que ça n'a plus de sens. Les gens s'effondrent, s'effondrent. Euh, D'ailleurs, euh, euh, en anglais, euh, l'effondrement c'est breakdown. Comme le nervous breakdown, c'est le même mot, euh, et, et c'est la dépression, les gens font ces dé dé dépressions, et voilà, je sens cette résistance, euh, euh, j'espère que tout le monde ne va pas s'effondrer individuellement, j'observe que beaucoup de gens sont proches de l'effondrement ou l'ont dépassé, et ça c'est dur, émotionnellement, c'est très dur. Apprenez. Euh, sortez de l'ignorance, allez voir ce que les autres font, euh, allez euh, visionner toutes les vidéos dont passe à l'acte, euh, allez discuter avec vos voisins, allez discuter avec les gens euh, qui font des choses, allez voir et puis après vous déciderez si c'est pour vous ou pas. Mais allez voir d'abord, allez voir. C'est quand on est dans, dans le milieu de sa vie, c'est de continuer à apprendre, c'est de continuer à apprendre, peut-être commencer à se reposer, pas d'attendre la retraite. Je suis pas sûr qu'on en, qu en aura une. Et je pose toujours la question de manière très pratique, c'est combien quand je vois quelqu'un que je ne connais pas je dis mais combien de temps vous avez passé à apprendre aujourd'hui combien de temps vous avez passé à apprendre cette semaine combien de temps vous avez passé à apprendre le mois dernier l'année dernière et là du coup on fait de sa vie non pas un truc avec des frontières on apprend on travaille, on se repose, on meurt, mais une belle image fractale où chaque mois, chaque semaine, chaque jour, il y a un peu de repos, il y a un peu d'apprendre, il y a un peu de nouvelles expériences. Et voilà, ça c'est un truc très pratique. Apprendre, apprendre, moi j'ai il faut continuer à apprendre quel que soit son âge. Il faut se lâcher, si on en a envie, il faut, faut lâcher ses peurs. Euh, parce que souvent les gens, ils disent, je vais pas y arriver, j'ai pas l'argent, j'ai pas le pouvoir, je suis tout seul. Ben non, oui, euh, t'es tout seul, vas-y. Euh, un papillon, il n'a pas besoin d'avoir des millions de papillons. Donc, il faut se lâcher, faut y aller. Ça, ça c'est le premier truc. Et puis, tout le monde n'a pas forcément, la deuxième chose, envie d'être un papillon. Et là, moi, je dis aux autres, oh, tu n'as pas envie d'être un papillon, essaie de protéger les autres. Parce qu'on a tendance à écraser euh, les têtes qui sortent. Tous les projets qui sortent, tout justement ces initiatives, non, non, ça ne peut pas marcher. Je dis, non, non, arrêtez, arrêtez. Essayez de favoriser le truc. Je ne vous demande pas d'y croire, je vous demande d'essayer. Et en résumé, c'est soyez un papillon vous-même, si vous en avez envie, ou alors au moins essayez de protéger les petits papillons qui sont en train d'éclore partout. quoi, les écrasez pas. Faites attention là où vous marchez. C'est qu'on vit quand même. Euh... Je pense, une époque absolument singulière dans, dans l'histoire de l'humanité. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, il y en a eu des grandes révolutions. Euh, passer de la chasse-cueillette à l'agriculture-élevage a été une incroyable révolution. Passer de l'agriculture-élevage à l'industrie-commerce a été une incroyable révolution. Passer ce qu'on est en train de voir euh, de l'industrie-commerce à, je sais pas comment appeler ça, à la création de communication, l'information, c'est une autre révolution. Mais il y a un changement majeur, c'est la vitesse. Les révolutions précédentes se sont faites sur plusieurs générations, sur des dizaines, voire des centaines de générations. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça se passe à l'échelle d'une génération. Qui dans l'histoire de l'humanité pourra dire ⁇ J'y étais euh, !⁇ J'y étais et j'ai envie de rajouter ⁇ Voilà ce que j'ai fait !⁇ euh, moi, euh, déjà d'en être témoin, de, de comprendre ce qui se passe, c'est déjà pas mal. quoi. Euh, et puis, pour ceux qui ont envie d'être acteurs, moi je dis, mais voilà, c'est un truc euh, incroyable. Et, et je trouve qu'il faut, moi j'essaye de, de me redonner envie euh, quand je pense en tout ça. J'essaie de redonner euh, en envie en aux gens. C'est à la fois du sens. Euh, c'est ce que j'ai fait. Moi, ouais, c'est un peu mental. Quand j'écris un bouquin, on est un peu dans le mental. Mais il ne faut pas oublier, oublier le côté émotionnel. Et, et, et dans l'émotionnel, c'est un truc incroyable euh, qui est en train de se passer. Et il et, et faut en avoir envie. Il faut en avoir envie de le vivre, d'en être témoin. Et j'espère pour certains d'entre nous d'en être acteur. Euh, c'est un changement incroyable de paradigme mental, intellectuel, émotionnel et pour ceux qui sont euh, plus proches de ça, spirituel. Prenez les outils, lisez le mode d'emploi, c'est pas trop compliqué et allez-y, foncez.